Mesdames, Messieurs les journalistes, je voudrais, au nom de mes excellents confrères ici présents, en mon nom personnel, vous présenter nos plates excuses pour le retard apporté au démarrage de nos travaux. Sans entrer dans les détails, donc sans perdre plus de temps, je m'en vais donner la parole à Maître Houssein Loufal, ici présent à ma droite, qui va vous entretenir rapidement du sujet qui nous préoccupe et qui a valu ces quelques minutes de retard. Je vous remercie. Similairement, je vous remercie, mon cher confrère et ami. Je suis peiné. Désolé de ce retard, comme vous l'avez remarqué. Nous aurions souhaité tenir cette conférence de presse pour le leader du PASTEF, Ousmane Sonko. Votre présence vraiment montre l'intérêt attaché à cette affaire. Mais je disais à l'entame que je suis peiné, je ne dirai pas indigné, parce que nous appartenons à un ordre. Nous sommes des avocats et nous appartenons à un ordre. L'ordre des avocats du Sénégal. Nous avions décidé de tenir cette conférence de presse pour vous parler de l'affaire dite des 94 milliards et vous parler de nos actions. Cependant, à la dernière minute, mon jeune confrère Sall m'a donné son portable pour m'informer de la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats, représenté par son secrétaire général. À la dernière minute, on m'a dit au téléphone, alors que nous avions adressé une lettre préalable d'information pour notre conférence de presse de ce jour. Et c'est à la dernière minute que le secrétaire général de l'Ordre nous a appelé pour nous informer de l'interdiction de la tenue de cette conférence de presse. Nous sommes vraiment désolés de devoir reporter cette conférence de presse parce que nous aurions tant aimé apporter un tant soit peu d'éclairage sur cette affaire dite des 94 milliards. Malheureusement, je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas déflorer le sujet parce, compte tenu du respect de cette interdiction. Je ne vous donne pas une date ultérieure, mais on vous communiquera la prochaine conférence de presse, Inch'Allah. Yalla nane fi Yalla baye. En Wolof, si Wolof,
J'aurais souhaité que mon jeune confrère Salin vraiment vous le dise. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous avons une mobilisation exceptionnelle qui vient de faire. Beaucoup de gens qui ont été en train de se faire, 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 qui ont été à l'Assemblée nationale, président du parti PASTEF. Conférence de presse qui nous a tenir taille, mais malheureusement, à la dernière minute, comme nous sommes confrères de l'élection, nous sommes doyens, nous sommes en train de nous faire, comme nous avons beaucoup de ordres, il faut que nous ayons utilisé ANA, conférence de presse. Nous avons dit que nous avons reporté, Inch'Allah, si nous avons dit, nous avons dit que c'est une désolation, beaucoup de choses, mais nous avons dit que Moi, sur une défense, quelqu'un doit faiblir. Quelqu'un doit yacher. Donc, lorsque nous avons fait ce que nous avons fait, nous avons fait motif, aussi continuer cette conférence de presse. Nous avons confirmé que nous avons fait des choses. Je vous remercie. Thank you.
Thank you.